j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une séance cardiovasculaire de 30 minutes. On aura besoin de sa bouteille d'eau, de ses baskets et c'est tout. Ok ? On commence l'échauffement tranquillement. Je vous donne des options à chaque fois, n'hésitez pas à les prendre. On vient échauffer d'abord la colonne vertébrale. Inspirez. On expire, flexion vers l'avant. On relâche les bras, sa tête. On relâche complètement. Et je viens twister de droite à gauche. On revient au centre. On avance dans sa planche. On s'arrête bien les mains sous les épaules. Hop. Et je viens étirer mon dos. Et je viens, hop, comme ceci, étirer mes mollets. Écrase talon droit, talon gauche. Talon droit, talon gauche. Et je marche sur page, je marche. On vient lever sa jambe gauche, la reposer à côté de la main gauche. On pose son genou au sol, on pousse bien les hanches vers l'avant. Et on vient tourner 4 fois le buste du côté de son genou. Et j'expire dès que je tends et dès que je regarde le bout de mes doigts. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, je regarde sous mon épaule. Je prends mon temps et de l'autre côté. On vient au centre. Hop là. On rétire et on écrase. Talon de droite à gauche. Je lève de l'autre côté, je repose mon genou, je pousse mes hanches vers l'avant, je garde bien genou, cheville, aligné et parti pour 4. Et dernière fois, hop, et je reviens. Hop, ici, on va venir étirer un petit peu ses poignets, vous faites hop. Des petits cercles avec les paumes de main, en essayant à chaque fois de poser bien les doigts en direction des genoux. Hop là. Et je remonte. On vient placer le talon à droite, puis à gauche. Et de nouveau, j'étire mes hanches. Donc celui-là, on commence à savoir que c'est mon préféré. On pose ses talons au sol. Je pousse avec mon coude. Je viens tendre le bout de mes doigts. On revient. Et la même chose de l'autre côté. Allez, on pousse très fort avec le coude pour ouvrir sa hanche. Et je reviens tout doucement. Je referme les pointes de pied. Je referme mes jambes. J'étire les arrières de cuisses. On remonte tout doucement. Et on vient ouvrir 3 fois sa hanche. Et on la ferme 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, on va venir étirer pareil en balistique. Je vais chercher à shooter devant et shooter derrière en ouvrant ma hanche. Aidez-vous de vos bras en balancier. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 et 10. N'hésitez pas à vous tenir sur celui-là, il est quand même un petit peu dur. On ouvre la hanche devant dans l'axe et ensuite côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un petit peu les bras. On fait hop, de la petite course très tranquille sur place. On active les bras. On va terminer par un échauffement des chevilles. On va venir faire cloche-pied devant, derrière, devant, derrière. Et activez-moi bien vos bras. On démarre jambe gauche, 10 répétitions, devant, derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
recommence. On va changer. Dernière fois. Devant, derrière. Maintenant, on va enchaîner un set avec trois exercices. À chaque fois, je vais venir augmenter de 2 répétitions à chaque tour. Dès qu'on va arriver vers les 12, 14, voire 16, si vous êtes en forme, on va refaire la pyramide en descendant. Donc, on va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, voire 16. Et on descend 14, 12, 10, etc., etc. Ok ? Donc, on y va. Le premier exercice, c'est un tipping. Donc, vous vous rappelez, on ouvre, on ferme. Et ça, on le fait sur la pointe de pied. On rajoute les bras. Je vais le faire 6 fois. À la fin des 6, un squat et je reviens. Je monte de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ? Premier exercice. Ensuite, le deuxième, c'est des ciseaux. Je viens à chaque fois taper pointe de pied devant. Avec les bras, dynamique. Le dernier, c'est moins du cardio. Il va falloir calmer un petit peu le jeu. On se met en planche et on va descendre. Ça s'appelle une planche commando sur les avant-bras. Donc, mon bassin, c'est normal qu'il bouge un peu. Il ne faut pas non plus qu'il aille trop sur les côtés. Hop. Et à chaque fois, essayez d'alterner. Enfin, essayez. On va alterner bras droit et bras gauche. Ok ? Donc, on démarre avec le tipping squat. Ok ? Allez, c'est parti. Le premier tour, il est très rapide. C'est 2 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un squat. Ensuite, 1, 2. Et commando. Je descends un bras. Et je redescends. Et je remonte. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière. Top. Ok, good job. On y va les ciseaux. 1, 2, 3, 4. On relâche. On y va au sol. Quand vous voulez, vous vous placez sur les genoux. Hop. On fera une pause à la fin de la montée de la pyramide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2. Activez vos bras. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour les ciseaux, ça compte 1 quand je fais les deux jambes. Ok, vous avez bien compris. Hein. Les 6 répétitions. Ouh, ça y est, il commence à faire chaud. Je descends. 1, 2, 3, 5. Hop, hop, hop. Ouh, oh là là, il fait chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, les bras, faut qu'ils bougent aussi. Hein. C'est pas que les jambes. Encore 2. Allez, comment ça va? Ça va? On est en forme. Allez, encore 2 répétitions. Placez bien votre main à chaque fois à la place du coude.
On arrive au 10. C'est très bien. C'est bon, on l'a. Hein. Essayez bien de me placer comme moi, la petite ouverture avec les deux genoux. Sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Youhou! Le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh! Les 12 répétitions au sol. 6 fois. Je vais remonter avec mon bras droit. 6 fois avec mon bras gauche. Inspire en bas et expire pour remonter. Allez, on fait une petite pause, je vous l'ai promis. La dernière, tip top, on boit un petit coup. Je vous propose 30 secondes à 45 secondes de récupération. Il faut qu'on fasse tout à l'envers. Donc du 12, on passe au 10. 8, 6, 4 et 2. Ok ? Allez. On est prêt. On secoue un petit peu, on se remotive. Allez. 1. 3. 4. 5, on rentre bien avec l'autre main. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ouh! Allez, 8. Allez, accrochez. Ferme, ferme. Top. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien parce que comme on est fatigué, on ne se voit pas en faire plus. Une fois.
passe les 4. 4, on monte avec le bras. On repasse sur les 6. Hop là, ouvre, ferme, ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ferme, ferme. Yes. Ouvre, ferme, ferme. Dernière. On y va, tape devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, accrochez-vous. Le commando, 3 fois. Et 3 fois de l'autre côté. 1, 2. Plus de 2 tours, et on est bon pour ce set. Très bien, les 4 devant. 1, 2, 3, 4. Allez, les petits commandos. C'est ce qu'on est, des commandos, des guerriers. 1. Allez, expirez bien pour vous aider à remonter. Et à chaque fois, découper 2. Je remonte avec le bras droit, puis après avec le bras gauche. On est sur notre dernier tour. Boum. 1, 2. On va le faire hyper lentement. Allez, planche. Descends bras droit. Puis bras gauche. Yes! On a fait, hop, un tour. Très très bien. Maintenant, on va pouvoir s'amuser à faire de nouveaux exercices. Donc si ça vous va, on vient les complexifier un petit peu. Si vous trouvez que c'est trop intense ou qu'il y a un petit mot qui vous gêne, vous prenez l'exercice du premier tour, d'accord? Donc, premier exercice, ça va être encore le tipping, mais on rajoute un jump. 1, 2, 3, 4, 6. Un petit saut, ok? Si on ne peut pas sauter, vous pouvez très bien faire squat, pointe de pied. Pas obligé de sauter pour que ce soit cardio, ça on le sait maintenant. À la place du ciseau, on va venir faire un squat fente. Donc ça va donner un squat, option 1, fente, fente. Option 2, squat, fente, fente. Et le dernier exercice, ça va être des burpees mais à l'envers. Alors ça on l'a jamais fait, donc hop, je vous le décompose bien. Avant, on va venir s'asseoir vers l'arrière, on pose ses fessiers, on enroule, on place ses pieds au sol, on pousse avec ses paumes de main et on remonte. Si vous êtes à l'aise, on ne mettra plus les mains. Est-ce que ça vous va? Ouais? Ok, on va essayer de partir sur 10 répétitions de chaque exercice et on va faire 3 tours. C'est moins long que le premier, accrochez-vous, c'est un petit peu plus intense par contre. On est prêt, les tipping, plus le jump. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je garde, je jump. Ça passe à peu près en 30 secondes. Ça équivaut à peu près à ce chrono-là. Ok? Ouvre, ferme, ferme. Hop. Et l'extension. Encore 2. Ouvre, ferme, ferme. Et le dernier. On s'en rappelle. Yes, vous êtes prêts? Squat fente. Option 1. Squat, recul, ou sinon avec les impacts, ok? Hop, 1, 2, squat, 1, 2, squat, 1, 2, squat, 1, 2,
squat, 1, 2, c'est très bien, encore 5. Aidez-vous des bras. Si vraiment c'est trop dur à la place, vous faites ciseaux à la place des fentes. On y va, le burpees à l'envers. On prend son temps, on n'en fait que 5 de celui-ci. On inspire, on expire. Et 1. Poussez bien vos genoux vers l'extérieur. Encore 2. Hop. Et le dernier. Allez, n'oubliez pas, on peut s'aider des paumes de main. Je pousse et je remonte. Ok. C'est bon pour vous? On vient de faire un tour. Plus que 2. Ok? Allez. Prêt? 3, 2, 1. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Un jump. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Un jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que vous avez bien compté. Allez, il nous en reste 5. Poussez vos fessiers. Extension. Allez, on pense à chaque fois à bien descendre et à s'aider de ses bras. Je croise, je décroise. Croise. Décroise. Très bien. On y va. Squat. Fente. Fente. Donc ça, c'est l'option 1. Et si vraiment on ne peut plus faire de fente, ciseaux, ciseaux. Ok? Hop. On est à 5 encore. Squat, fente, fente. Aidez-vous des bras. Squat, fente, fente. Squat, fente, fente. 2. Et 1. Bravo! Je prends mon temps, je m'enroule, on ne s'endort pas au sol. Hop! Et je remonte. Inspiration vers l'arrière. Et expiration pour remonter. Et quand ça va, on essaye de ne plus mettre les mains. Mais il faut un petit peu de mobilité. C'est pour ça qu'à chaque fois, on en fait au début du cours, qu'on dégage un petit peu les hanches, c'est pour ça. Je ne vous ai pas oublié, il reste un tour. On récupère encore 10 petites secondes et c'est parti. Donc vous mettez la même énergie, dernier tour, tout aussi punchy. Donc ça équivaut à un 30-30, hein, si vous ne voulez pas compter de votre côté. 3, 2, 1, on y va. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi aussi je fatigue, j'arrive même plus à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, hop. Les 5 derniers. Activez toujours vos bras. Imaginez vraiment que le sommet du crâne, vous voulez l'envoyer vers le plafond. Les deux dernières. Relâchez un petit peu vos jambes. Squat, fente ou squat ciseaux. Ok? Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus qu'un. Allez, on est bon. C'est bon, il est passé. Et 3.
Yes. Massez un petit peu le bas du dos, bras sur les côtés, genou à droite, genou à gauche. Je vous propose d'enchaîner avec une petite série d'abdos d'à peu près 3 minutes et ensuite on s'étire. Je suppose que vous n'allez pas me dire non. Ok, premier exercice. Si on peut, on décolle la tête, sinon vous gardez la tête au sol et je descends mes deux jambes. Pas très bas si vous avez mal au dos. Ce que je ne veux pas voir, c'est les mains derrière, sous le bassin, sous les fessiers. Ok, si j'ai mal en fait, je descends juste moi en bas, vous descendez comme moi. Ensuite, second exercice, je tends ma jambe pour mettre juste moins de pression au niveau intra-abdominal. Je décolle comme je peux pour les toucher sur le côté de ma jambe. Ok, le dernier, on inspire, on expire, on remonte tout doucement. C'est bon pour vous? Allez, ensemble. Option 1, tête au sol, je descends, hop. Et je peux même le faire jambes fléchies. Inspirez, expirez, jambes vers le sol. Je tends les jambes, hop, et je vais chercher sur l'extérieur du genou. Comptez entre 8 et 10 répétitions. Allez, expirez bien pour remonter. On fait du très bon travail. Surtout que c'est notre dernière ligne droite, on ne peut pas lâcher. 1. Côté. N'hésitez pas à soutenir vos cervicales si vraiment c'est douloureux. Allez, travail d'oblique. Posez les deux pieds. On inspire et on y va très très lentement. On va faire à peine 5 répétitions tellement on est lent. Yes, on descend, on descend, on descend. Et j'expire pour remonter. Dernière. Et je me rallonge. Et je vais pouvoir faire, hop, mes battements. Pensez bien à rentrer le ventre, rentrer le nombril quand vous tendez les jambes. Donc il y en a qui vont pouvoir les descendre beaucoup plus bas. Mais ça va dépendre de la souplesse du dos et de votre morphologie. Moi, je ne peux vraiment pas descendre très très bas. Mais ça travaille quand même, donc forcez-vous à respecter votre morphologie. Son temps, on inspire, on expire, on remonte. Allez, là normalement vous devez encore transpirer beaucoup. Là, on essaye de calmer le cardio pendant les abdominaux. Et dernière. Ok, good job. Allez, on va s'étirer un tout petit peu. On va venir tendre les jambes vers l'avant. Je monte de profil. Je garde la jambe gauche tendue. Je vais remplacer la jambe droite. Je vais tourner le buste vers ma jambe qui fléchit. Je me redresse au maximum. Je pousse le sommet du crâne. On enchaîne un étirement entre les omoplates. On attrape sa basket. On vient tendre plus ou moins la jambe. Ceux qui arrivent à être très droit, vous pouvez décoller le bras. Je repose. On fait la même chose de l'autre côté. Je croise par-dessus ma jambe droite, je tourne vers ma jambe gauche,
On est hyper droit, on pousse le sommet du crâne encore, encore, encore. Attrapez votre basket. On essaye plus ou moins de tendre. Et si on peut, on tend le deuxième bras. On relâche. Posez les deux pieds au sol. Accroupi. On relâche encore le dos. On remonte. Attrapez vos avant-bras. Twistez de droite à gauche, gauche à droite. Et prenez votre temps pour remonter vertèbre après vertèbre. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez eu aussi chaud que moi. Je vous dis à très très vite. Salut !